Bien. Donc maintenant, on va faire la dernière éolienne de la série à partir d'une même bouteille. Donc on a coupé le cul de la bouteille sur environ 8 cm, 8 à 10 cm. Ça peut être plus long, hein, éventuellement. On fait en sorte d'égaliser la coupe pour qu'elle soit bien régulière, comme ceci, voilà. Et là, c'est certainement l'éolienne la plus difficile à faire, parce qu'elle va nécessiter de bien comprendre le tracé de la découpe. Mais c'est une forme qui est très jolie parce qu'elle ressemble à une hélice de bateau. Donc on va avoir une découpe qui va suivre ici, qui va suivre le cul de la bouteille. C'est-à-dire que vous avez des ergots qui ont été moulés et qui ont une forme bien particulière. Donc on a déjà l'angle qu'il suffit de tracer et on a l'arrondi du cul de la bouteille qu'il faudra aussi découper. Ensuite, on va pouvoir faire la découpe. Donc ce qui convient le mieux, c'est cet outil que j'ai là, qui est une espèce de pince coupante. Voilà. Et ici, on tourne jusqu'à aller sur, voilà, sur la moitié. On continue. Ainsi, 5 fois, puisque nous sommes sur une bouteille avec 5 parties déterminées au fond de bouteille. Voilà. Et encore un. Nous sommes à 6 là. Nous sommes à 6 parties de bouteille. Alors ça dépend du modèle des bouteilles. Il y a des bouteilles qui sont à 5, des bouteilles qui sont à 6. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Et là ici, on va forcer la matière pour qu'elle se retourne. C'est-à-dire qu'ici, on a un bombé et il faut que le bombé se retrouve dans l'autre sens. Donc, il suffit simplement de forcer comme ceci. Et donc, on inverse le bombé. C'est un travail qui est un petit peu difficile et qui convient mieux à des enfants ou des pré-ados. Ou des adultes, hein, pourquoi pas. C'est une activité aussi, hein, qui peut être pratiquée avec des publics, tout type de public. Hein. Il faut savoir qu'il y a le public enfant, mais il y a aussi le public des maisons de retraite. Hein. C'est une activité qui est très bien. Hein, voilà. Et on obtient donc cette forme ici, qui est vraiment caractéristique, on dirait vraiment la forme d'une hélice de bateau. Alors toujours la même procédure. Il faut donc faire un trou pour le passage de l'axe. Il faut bien sûr maintenir ce perçage dans l'axe. Tu vois, celles-ci, elles sont un peu trop rigides. Est-ce qu'il faut prendre des bouteilles d'eau et non pas des bouteilles d'eau gazeuse, hein. Tu vois, est-ce qu'il revient en place, hein. Tu vois, ça, c'est le problème. Voilà. Les bouteilles d'eau gazeuse, elles conviennent pour des éoliennes plus rigides. Et maintenant, nous allons mettre l'axe. Alors l'axe, il peut être aussi composé du simple perle. Un petit peu de colle sur le pourtour. Voilà. Et voilà. Et vous avez votre base d'éolienne qui est fabriquée. Il ne reste plus qu'à... Comme ceci. Ne pas oublier, bien sûr, toujours de mettre la petite perle de blocage au fond. On peut ensuite mettre notre petite éolienne, voilà. Et voilà. Et enfin, terminer par la petite perle de finition. Et voilà, nous avons notre éolienne qui est prête à fonctionner.